Et bonjour à tous, surtout pour la suite des aventures de Final Fantasy VII Crisis Core. On avait battu le BM3 et on s'apprêtait du coup à aller mettre sa petite raclée à Genesis, lueur de la malédiction. Genesis, maintenant j'en suis sûr. Prêt pour l'acte final? Oui. My soul, corrupted by vengeance, hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation. You're late. Loveless again. You have succeeded Angeal's spirit, and carry a part of Sephiroth within you. Thus the three friends are reunited once again. And Loveless is reenacted. No! Open your eyes, Genesis! When the War of the Beasts brings about the world's end. I've come here to help you. The goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss, her gift everlasting. What is that? The gift of the goddess, a heavenly boon found only in Benora. I thought the cells were the gift. There are various interpretations. I don't understand. To ponder the mystery is in itself a gift. We will all join the life stream. You are no exception. The planet has become my guardian. Keep talking to me. Don't let it take over. You're not a monster, you're one of us! Damn you! Wow, ok. Je peux pas le taper? Ok, là c'est bon. Y'a rien à prendre. Qu'est-ce qui lui arrivait à Genesis? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon gars? Ah, je pense que je vais lui donner le dernier coup. My soul, corrupted by vengeance, hath endured torment
to find the end of the journey. In my own salvation. And your eternal slumber. Does this mean you knew from the beginning? Yeah! Stand and fight, soldier first class. Zack! Why is everyone always pushing things on me? Activating combat mode. Oula, oula. Du coup, il se dégrade plus là? J'ai pas trop compris. Je suis sûr que le combat doit être vraiment super, mais. Malheureusement, c'est... je suis un peu trop puissant. Shinra attacked us. Save your strength. I got some help from him over there. It's you. Director! Thank you.
Okay. Let's eat. Sorry I'm not the real thing, but... Is it good? Yeah. The gift of the goddess. This apple? Huh? And you. The dream came true. You. I wish I knew where you were. It's already been 4 years now. This is the 89th letter that I've sent to you. But I don't even know where to send them anymore. I really hope that this final letter that I'm writing gets to you. By the way, the flowers are selling very well. They make everyone so happy. Thanks to you, Zach. Aerith. Four years? What do you mean, final? Wait for me. You're gonna make it too. You got that? This must be an important matter if they are sending the two of us. Apparently the subject will become our brother. Is that so? But will he accept his fate willingly? Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. To become the dew that quenches the land, to spare the sands, the seas, the skies, I offer thee this silent sacrifice. Sisne! The army's mobilizing.
find the targets before they do. Understood. The army won't be as subtle. I want them alive. You hear me? You're going to save Zack's life. Of course. I haven't even told him my real name. Help them. Sisne. I have letters for Zack. 88 of them. I'm just kidding. You know I wouldn't do that to you. We're friends, right? It can't be serious. There's no way we're gonna find two needles in a haystack this size. There's no mission that's impossible for the Turks, yeah. Also, Sung apparently has something to give him. Who? The target? So we're couriers now. Delivering packages to fugitives, huh? Reno, Rui, status. We got nothing. You? Likewise. I'm heading to point 235. You two take point 120. Roger. All right, let's get going. Boy, the price of freedom is steep. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it! Activating combat mode. Là, on a enchaîné, mais des tonnes de cinématiques. Mais tout ce qui s'est passé. La vache, ils font mal par contre. Oula. C'est nouveau ça. Thank you.
Vache. Et du coup, j'ai plus de 6 SNES, j'ai... Ils ont disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça va être un peu compliqué de discuter des cinématiques tout en jouant, là. Par contre... Ouais, non, je discuterai après. Bah, j'ai essayé de terminer cela. J'espère que c'est pas encore un millier de soldats qu'il faut terminer. En tout cas, les missiles, ils font vraiment très très mal. Ils me font la moitié de ma vie. Alors que pourtant, je suis censé être assez haut. Oula. Par contre, ouais, du coup, la Chine, c'est vraiment des ennemis maintenant. Ça, c'est vraiment confirmé. Par contre, les Turks, du coup, Tseng, Sisney, ils sont encore de notre côté. Et attends, mais ça fait 4 ans? C'est impossible que ça fasse 4 ans. Parce que dans la lettre de Aerys, elle dit que ça fait 4 ans qu'elle m'envoie des lettres. Mais quand est-ce qu'on a eu le jump de temps, là? Genre quand on s'est fait capturer par la Shinra et que... Après avoir combattu Sephiroth. Franchement, je vois que ça. Ou ça aurait pu faire 4 ans. Mais on a eu aucune info comme quoi ça faisait 4 ans tout le long. Genre, j'avais pas des mails en attente. On a commencé à m'envoyer des mails vraiment après ça. Et ils ont attendu, du coup, je crois 4 ans avant de nous déclarer morts. C'est quand même assez bizarre. Et ça veut aussi dire que Genesis, il a tenu 4 ans. Ah, j'ai plus de... Oh, oh là là. J'avais pas assez d'éther. Est-ce que je peux leur voler de l'éther? Y'a rien à prendre. En tout cas, ça me paraît très étrange, mais je crois que c'est le truc le plus plausible. Oula, oh, j'ai failli crever. Hop là. Ah, du coup, si ça fait 4 ans, c'est horrible pour Zack. C'est horrible ce qui est arrivé à Zack. Depuis le début, il essaie de faire des trucs trop bien et il y a tout le monde à côté de lui qui change, qui l'abandonne un peu, qui... Oh. Il a vraiment pas de chance. Hein. Tout ce qu'il voulait, c'était être un héros. Au final, il se fait chasser par tout le monde. On lui a volé ses rêves, ses amis. On lui a volé Aerys, on lui a volé du temps, c'est horrible. Je peux plus utiliser d'objets?
Et du coup, est-ce qu'il perd la mémoire? Parce que le CN, c'était le truc pour la mémoire. Les souvenirs. Oh non, mais faites pas ça, au secours. Oh, l'océan est complètement cassé. Oh, il se déplace. Oh non. En plus, Midgar est juste à côté. For the both of us. Both of us? That's right. You're gonna you'll be my living legacy. My honor.
my dreams. They're yours now. I'm your living legacy. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. Thank you. I won't forget. That girl, she said that the sky frightened her. That looks so liberating. Those wings, I want them too. It feels good. If you see Aerith, say hi for me. Would you say I became a hero? Bon. Cette fin là, c'était horrible. Désolé, il me faut un petit peu de temps là pour me recomposer là parce que tellement triste pour Zach. C'était vraiment un super gars quoi.
Il était simple, il était fun et... Oh, ça me brise le cœur. Bon. Et ben en tout cas, Final Fantasy VII, Crisis Core sur PSP, c'est fini. Ça m'aura pris une bonne centaine d'heures de gameplay à faire. C'est assez éprouvant. Et j'ai passé une centaine d'heures à jouer avec Zack pour qu'il meure à la fin. Oh, et sa dernière phrase, parce que je pense que je suis devenu un héros. Ah, oh, ça fait mal au cœur. C'est tout ce qu'il voulait, c'était son rêve. En tout cas, moi je le dis comme ça, hein, mais c'est un très bon jeu. Ils sont vraiment bien bien débrouillés sur les personnages. Là j'ai... Dès qu'il y a un personnage qui disait quelque chose, ça se voyait, tu pouvais voir les émotions. En vrai, Square Enix, ils font vraiment des super cinématiques. Je trouve qu'ils écrivent plutôt bien leurs personnages, parce que franchement, la plupart des personnages, je m'y étais attaché. Entre Zack, Sephiroth, Sisney, Aerith, Angel... Il y avait qui d'autre ? Il y avait un peu Lazare, il y avait Cloud, Tifa aussi. Ah mais Sephiroth, il avait l'air tellement sympa. Mais tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui est arrivé aux personnages, c'est horrible. Ils ont vraiment... Tous les personnages n'ont absolument aucune chance. Sephiroth... Il était très bien, c'était un héros, première classe du soldat, hyper puissant. Il a ses deux potes, Angel et Genesis. Et d'un seul coup, il y a Genesis qui part. Du coup, il perd déjà un de ses premiers potes, enfin, il sait pas ce qui lui est arrivé. Ensuite, Angel, il disparaît aussi. Sephiroth, il se retrouve tout seul en première classe du soldat. Bon. Du coup, Zack prend un peu la relève à la place d'Engil. Mais. C'est pas la même. Eux, ils se connaissaient depuis très longtemps. Puis au final, avec Zack, ils commencent à bien s'entendre. Ils vont à Nibelheim. Et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, tout. Toute sa vie lui ont vraiment menti, c'était. Et après il pète carrément un câble. Mais c'est vraiment pas de sa faute quoi, c'est. Enfin moi je le vois comme ça, c'est vraiment trop dommage pour lui. Et Zack du coup qui. Il perd son mentor Angel. Sephiroth qui devient un peu son mentor et celui qu'il admirait aussi. Il devient dingue et il commence à se battre. Cloud, son pote qui s'est fait quand on était, je sais plus où c'est qu'on était, Modeheim je crois. Du coup il se fait empoisonner par du Mako, et c'est la merde. Tous ses potes, les Turks, la Sisney et tout, et ils sont à la poursuite de Zack parce que du coup la Shinra le considère mort, ne veut plus lui. Ça devient un fugitif. Aerith. Qui du coup, attends, j'en reviens toujours pas. Pendant 4 ans, il a été dans une sorte de. Comment de. D'expérimentation par la Shinra avec Cloud.
Ensuite, il essaie de récupérer, d'essayer de retrouver Genesis, histoire de terminer un peu ce qu'il fallait faire. Au final, Genesis, faudrait qu'on en reparle aussi de Genesis. Mais au final, il arrive à s'en occuper, à essayer de, entre guillemets, le sauver. Il essaie du coup d'aller voir Aerys, la Shinra, les Turks, le ton dessus. Et il se fait avoir, vraiment. Tu vois Midgar qui est juste derrière lui, c'est vraiment. En quelques minutes, il y était, quoi. Il peut même pas aller voir Aerys à qui il avait dit j'arrive tout de suite, je viendrai te voir. Et du coup, ouais, Genesis. Il l'a laissé à Banora. Et il y a un hélico de la Shinra qui est venu avec deux mecs qui ont les mêmes habits que les premières classes du soldat. Donc ça doit être les deux nouvelles recrues qui sont passées les premières classes du soldat qui sont venues récupérer Genesis et qui ont dit qu'il allait les aider. Je sais plus exactement ce qu'ils avaient dit. Mais en gros, Genesis, il va encore se faire. Il va encore se faire manipuler par des mecs de la Shinra. Claude, le pauvre aussi, il avait quasiment rien demandé. Claude, et même Tifa. Oh, Tifa, la pauvre. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que son père, Tifa, est mort de Sephiroth ? Pour qu'elle soit aussi énervée par rapport à Sephiroth. Et Sephiroth aussi, qui apparemment a blessé Tifa. On n'a pas eu d'autres infos pour Tifa non plus, donc je sais pas ce qu'elle est devenue. Et Cloud, ouais, Cloud qui du coup. C'est montré courageux au réacteur Mako 1 qui a réussi à mettre un bon coup à Sephiroth et qui du coup se retrouve à être rempli de Mako et ça lui était vraiment pas bien. Hein. Il était pas bien et il commence à se remettre bien. C'est trop tard, il y a Zack qui est mort. Franchement, il y a aucun personnage n'a de chance. Par contre, je sais pas c'est qui est venu chercher Zack à la fin. Ça avait une aile dans le dos. Donc j'imaginerais que c'est Engil qui est entre guillemets venu récupérer Zack. Et il y a aussi Genesis qui a vu du coup Minerve qui était du coup la déesse. Du coup, est-ce que c'était la déesse je ne sais pas c'est quelle déesse, je ne sais plus, déesse de la vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, franchement, c'était toute l'histoire, enfin tout le jeu était génial.
My name is Cloud. Soldier. First class. Et bah, c'était excellent. Franchement, ce jeu, je me suis vraiment bien amusé tout le long. Les combats étaient très corrects. Le système de combat avec la petite roue, là, l'océane, je l'avais encore jamais vu dans un jeu. Ça enlève un peu trop de l'aléatoire des fois. Je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais c'était assez aléatoire. Ce qui n'est pas non plus dégueu, hein, l'aléatoire, ça peut être sympa, ça change un peu. Sinon, le reste, les matériaux, c'était très correct. Enfin, toutes les animations étaient très cool. Les musiques étaient vraiment aussi très très cool. Franchement, ils gèrent de fou. Et ça, c'était sorti sur PSP. Hein. Tout ça, c'était sorti sur une petite PSP. Ils ont vraiment trop géré. Par contre, ouais, là, ça fait un bon bout de temps qu'on est sur Final Fantasy VII Crisis Core. Je sais pas si j'irai faire du coup la suite, du coup qui est du coup le vrai Final Fantasy VII, parce que du coup ça, Crisis Core, c'était une prélude à Final Fantasy VII. Je sais pas si je ferai Final Fantasy VII de sitôt. Je pense qu'on va peut-être prendre un peu de temps à faire un autre jeu. Je sais pas encore trop quel jeu je vais faire. Mais en tout cas, si vous y avez jamais joué, je vous le recommande. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie qui s'appelle Final Fantasy VII Crisis Core Réunion. Qui est du coup une sorte de petite upgrade de ce jeu-là. Malheureusement, j'avais déjà commencé à y jouer. Je ne savais pas que ça allait sortir, sinon je l'aurais fait sur la nouvelle version. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un super jeu. Et ouais, du coup, on va pouvoir sauvegarder. Supprimer et retourner l'écran titre, mais donc je vais me sauvegarder ça. Et du coup voilà. Et du coup on retourne à l'écran titre. En tout cas, bah merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu. Tchuss.